Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pass and Danger. On se retrouve avec notre petite équipe de 4, avec un petit peu de retard malheureusement, je suis désolé, j'ai été bien malade, donc mes épisodes d'avance se sont épuisés. Du coup, il y en a certains qui ont été loupés. Je vais un peu mieux, je vais donc pouvoir tourner un petit peu et reprendre l'aventure. Donc j'ai fait un petit point parce que du coup ça fait un moment que j'avais pas tourné, hein. On a donc nos trois personnages qui sont à peu près en état. Il y a une mise à jour assez intéressante qui a été faite depuis la dernière fois qu'on a joué, à savoir, ils ont revu à la baisse le coût en stamina de pas mal de compétences, donc on verra ça en combat. Visiblement, la stamina était vraiment, on l'avait constaté, hein, le truc très très difficile à gérer. Donc du coup, ils ont travaillé là-dessus. Ils ont également amélioré le regain en stamina des potions. Alors malheureusement, ça joue pas sur les potions qu'on avait déjà, mais les potions qu'on aura donneront plus de stamina. Ils ont également amélioré les chances de toucher des personnages de base, donc les personnages niveau 1 qu'on recrute. Donc pareil, ça sera sur les futurs qu'on recrutera, mais on devrait au moins pouvoir toucher un peu mieux. Donc Damned touchera quand il touchera, mais les autres, les futurs devraient être un petit peu plus pertinent. On a Gaelden qui dort, donc on va pouvoir partir avec Akatsuquet, Malvin et Damned. Au niveau des bénédictions, on pourra éventuellement prendre la bénédiction qui donne 10 PV de plus parce qu'on a ce qu'il faut, mais c'est les invocations de Damned qui vont tanker dans l'idéal et pas lui-même. Du coup, c'est assez difficile de savoir sur qui on pourra le mettre, qui va être le plus devant, sachant que Damned théoriquement est celui qui a le plus de tank, hein, mais il a le inattentif qui fait qu'il peut avoir plus 30% de chance de se prendre des coups critiques, donc bon, c'est pas forcément idéal. Donc on va essayer de faire un max de DPS en restant relativement à distance. Et au niveau des quêtes, j'aimerais bien qu'on soit 4 pour partir dans les Badlands ou éventuellement gérer la Witch là. Donc on va commencer par une petite quête tranquille, assassiner le conjureur. On va voir un petit peu ce que ça donne. Les conjureurs gérés par l'IA. Et c'est parti pour cette petite mission. Donc ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir recruter une personne de plus, parce que il faut aussi dire que techniquement, plus on est nombreux, moins on consomme de stamina, forcément. En toute logique. Alors, ça a l'air d'être un peu surélevé ici, d'avoir un petit peu des armes là. Je pense qu'on va passer par en haut du coup. Globalement, c'est assez mort, il y a de la hauteur là-haut. Alors, on pourrait aider ce peu sympathique personnage. Est-ce qu'on peut voir notre inventaire? On a une seule potion de soin. C'est un peu short, hein. On va le finir. Ça va nous permettre d'avoir un petit peu d'XP. L'objectif de. Et de monter Damned hein, au niveau 2, si on peut. Toi, tu vas grimper. Le Light Beam, c'est trop loin. Ah, Damned, tu vas te mettre là. Si tu prends ton arc, tu devrais pouvoir te la faire. Voilà. Hop. En plus, regagne un petit bonus. Et on trouve quelques morceaux d'armure, c'est pas si mal déjà. Alors, non, un peu de morale, ça ne nous intéresse pas. Donc c'est vrai que souvent, ça peut donner des trucs assez intéressants hein, de l'aider, notamment des anneaux, des artefacts et tout. Mais bon, là, avec une seule potion de soin, ça fait quand même pas beaucoup de quoi se retourner, on va dire. Donc là on a une fleur. Ploup. Non, 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 reviens là. Reviens là. Ok, que des gens qui ne veulent pas être dérangés. Ouais, il y a du surélevé là, avec un petit peu de forêt là. Bon, on va avancer, on traversera la route si jamais on tombe sur des ennemis. Ok, une embuscade avec un ennemi. On devrait pouvoir gérer. On va attendre qu'ils viennent. De toute façon,
Niveau portée, il faudrait qu'on avance de 3 cases. On va quand même avancer d'une case pour pouvoir l'allumer au prochain tour. Alors, toi, toc, c'est parti. Bon, là on est effectivement sur des de la quête pour l'instant, c'est plutôt tranquille. Hein. On va économiser notre stamina, utiliser nos combos de base. Oh, le 2. Donc Malvin il va rien faire. Akatsuko elle va rien faire. Et on va espérer réussir avec Damned de le finir. Voilà, parfait. Ça fait un petit peu d'XP comme ça. Alors, je continue d'avoir les yeux qui traînent un petit peu partout hein, en même temps. Ça c'est juste du bois. Une potion de stamina pour 45. On prend. On va voir du coup. 30 points, 30 points. Non, ok, donc c'est peut-être que c'est déjà ajusté du coup. Très bien. Faut qu'on contourne la petite maison. De toute façon, on devrait plus rien avoir normalement. Ok. Il y a de la forêt en haut apparemment. On va aller en haut. On va bien sûr ramasser la fleur. Plop. J'aime bien le petit. Il pleut, hein. C'est une pluie légère. Ah, ici il y a un sac. On va attendre de voir s'il y aurait quelque chose. Ok. On a deux sugs. On peut avoir de la position surélevée. On va la prendre. Peut-être pas trop m'avancer quand même. Ils peuvent faire mal eux. Hein. Là, ils sont pas à portée. On va invoquer un petit élémentaire de roche. Ça, il va aller au contact. Alors ici, on pourrait venir là. Ça, c'est un weak sug. Ouais, on pourrait venir là. Et là, on peut déjà lancer un petit assaut. On se rate, dommage. Ok, il est ici. Mais on est quand même un petit peu surélevé. Ça devrait être un peu mieux. On va essayer de gérer celui-là si possible. Pendant que lui tanque un petit peu comme il peut. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà? Nanana. On peut mettre ouais, un petit truc de glace. Ça pourrait être pas mal parce que lui aura besoin de le traverser de nouveau. Et ça, ça c'est pas utile par contre. Et on va se mettre un petit bouclier de glace. On est parti pour tanker avec Malvin. C'est Malvin, hein? Es-tu Malvin? Je crois que c'est Malvin. Gelden, c'est une mage de feu. Par contre, Akatsukouette, hein, elle a un petit peu trop glandé cette nuit, faut croire. Ok, il nous rate. On va invoquer un petit élémentaire de feu pour augmenter le DPS, parce que c'est compliqué pour l'instant. Allez, c'est parti, il faut suffire les conneries maintenant là. D'accord, très parfait. Oh mais sans déconner. Lui il a touché tous ses coups par contre, hein, pas de soucis. Ok, on bloque, du coup il prend pas de dégâts. Ah quand même, un petit 4 là, ça fait plaisir. Heureusement qu'on a le bonus de hauteur. Hein. Allez, Akatsuko, si tu pouvais le terminer. Voilà, parfait. Donc lui, il va marcher dans la glace. C'est nickel. Bon, on est inattentif, mais on n'est pas au corps à corps, donc c'est pas trop un problème. Ça change pas nos chances de toucher. C'est cool, le petit truc qui regagne de la stamina, là. Ça fait bien plaisir, j'ai bien fait de l'augmenter. Ça pique. Qui c'est qui va jouer après? C'est lui qui va jouer. Il y a moyen qu'il mette un coup de dague à Malvin quand même. Donc. On va essayer de le finir. Voilà.
J'hésitais à consommer de la stamina avec. Ah, on n'a plus de place. Eh ben, on va manger un petit peu de légumes avec Aketsu-couette, voilà. Lui, il nous propose ça. Et donc, on avait quand même le petit truc à chercher là. Notre inventaire est plein, bah oui, bien sûr. Bah, c'est pas grave, on va consommer. Déjà, on va prendre le niveau. Le petit orbe avec Damned, on va lui filer un petit vegetable. Voilà, comme ça remonte encore un petit peu. Du pain, on prend pas trop de risques à bouffer du pain. Et on trouve du vin. Ok, pourquoi pas. On se reforme. On sait jamais. Encore des maisons. Du fromage pour 5, non, on a suffisamment de trucs dans notre inventaire. Du coup, il va peut-être falloir qu'on s'achète un storage, mais ça coûte 300 balles le storage. Des potions. Ah, c'est 90 cette potion-là, donc quand il nous en propose une à 45, faut la prendre. Non, rien qui nous intéresse, il faut qu'on économise notre thune clairement. Alors, c'est plutôt en bas qu'on va aller. Ça reste longtemps ce truc-là? Turn remaining. Ah, ok, donc faut qu'il y ait un tour qui se lance. Il y a comme un coffre là. Je trouve que ça pue l'arnaque, moi. Non? Bon, bah, Aketsu-couette, c'est pour toi. Ok, un coffre vide. Je me demande ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur. Ah, moi aussi, du coup. Ok, c'était plutôt calme. Pourquoi pas. Alors, en haut, il y a des maisons, donc on va pas pouvoir passer, donc on va passer en bas. Pas de truc derrière, non, c'est bon. Les maisons, elles veulent qu'on les lâche. Très bien. Ah, des gardes. Ah oui, il y a quelques bandits, effectivement. Faudrait qu'on aille complètement tout en haut, en avant. On va poser un truc de glace juste là, et un truc de soin juste là, je pense. Ça devrait aider. Ok, très bien. Alors, ça coûte 2. Donc on va le jeter là. Et après on va se déplacer par d'une case par là. Pardon, faut que je fasse attention aux touches que je touche. Donc au truc que je touche, on va faire une non-lightning area. Ah dommage, on est obligé de prendre cette case là, mais bon, tant pis, juste là. Et après pareil, tu vas avancer d'une case, on va essayer de prendre ces deux hauteurs là. Lui il est inattentif. C'est pas très grave, il peut quand même prendre la hauteur. On va invoquer du coup ici pour prendre le heal. Notre petit truc. Et après on va se faire plaise. Y a juste lui là, mais je pense qu'il va se mettre là pour taper sur son sur le garde. Et bim, dans ta tronche. Alors, ce qu'on pourrait faire du coup, c'est une petite ice éruption, je pense là. Bim, voilà, petit 8, bon tant pis, on a pris celui qui était derrière. C'est pas de bol. Et on va essayer de se focus sur celui-là. Ouais, on va se rajouter du DPS ici. Voilà. Ok, parfait, ça rate.
Effectivement, la stamina est un petit peu plus gérable. Hein. J'ai pas même pas regardé le détail du coût des compétences, mais j'ai l'impression que ça se passe quand même un peu mieux. Hein. Ouh, le petit critique qui fait plaise. Parfait, ça se diminue. Allez, j'allais dire sur un coup de bol, il peut en finir un, mais c'est pas grave. Là, on se rate. Allez, on va essayer de terminer celui-là. Ah, dommage. Toi, tu vas aller en hauteur. Ici, on va essayer de finir lui. Encore raté. Ça va, ils font pas trop de dégâts, c'est du weak quand même. Du weak sug, ça c'est un bandit de base. Un sug de base, un sug de base. Il y a quand même un petit peu de capacité de dégâts. Mais c'est vrai qu'avec les buffs et les debuffs qu'on met, ça va quand même. Hein. Ouille, ça pique. Allez, faut taper maintenant. Par contre, ouais, faut que je regarde si on peut peut-être accélérer les animations. C'est vrai que j'aime bien les animations, mais. On va se mettre en 5 parce que quand il y a beaucoup de monde, c'est quand même un petit peu long. On va pas se mentir. Allez, bim, un de moins, ça c'est fait. Ici. Ok. Si on peut terminer celui-là, déjà, on aura éliminé deux. Dommage. Pas de chance. On n'a plus notre truc de soin. Hein. Et lui va disparaître normalement. Ouh, ça pique. Faut diminuer les DPS, les gars, là. Hein. Voilà, il va disparaître. Lui, bon bah il fait du dégât, c'est toujours ça de pris, on va pas se plaindre. Hein. On va essayer de le finir. Ok, c'est fait. Ici, est-ce qu'on replace un restauration de bim? Non, on va essayer de faire du DPS. On va pas trop cramer de stamina, on en a déjà plus beaucoup. Voilà, c'est parfait. Petite flèche dans les fesses, nickel, le petit coup critique, voilà, parfait. On devrait pouvoir finir le reste. J'avais même pas fait gaffe, mais il y a une attentive qui est restée là. Ok, donc ça disparaît. Va falloir que je regarde si je peux virer cette pop-up du coup, parce que bon, ça m'a pas trop gêné, j'y avais pas fait attention, mais c'est quand même un peu relou. Voilà, une autre truc. Oh, bah du coup, on se fait plaise. Bah du coup, c'est notre ami Aketsukwet. Elle va bouffer un petit peu de pain. Elle va pas bouffer du pain, du coup, elle va bouffer des légumes. Et après, elle va bouffer un petit peu de temps. Voilà, parfait. On monte à 18, toujours ça de prix. Et on s'est fait pas mal de thunes, ça fait plaisir. Alors ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Rien, il y a un sac là-bas. Et qu'est-ce qu'on devient là? Une potion de stamina, c'est parfait. T'en es où de ton niveau, toi? Ça vient doucement. Donc normalement, ça, c'est la zone du boss. On va passer par en haut, je pense. Toc, toc, et toc. Ce serait cool si on pouvait atteindre ça. Yes. Mignon, will take care of you. Parfait, donc du coup, on est plutôt bien placé, on va aller prendre la hauteur. Je bois un petit coup parce que j'ai encore la gorge qui pique un peu. Là c'est dommage, j'aurais bien vu qu'il joue après. Mais malheureusement on n'a que moyen de skip le tour. Ok, ici on avance. On va invoquer... Alors on va regarder du coup, ça coûtait 7 de stamina, ça coûtait 6 avant ça.
Ils ont augmenté le coût de stamina de ces trucs là. On va l'invoquer assez bas. Pour mettre le focus assez bas. Lui il va nous invoquer des trucs aussi j'imagine du coup. Ouais, dans les bois, bien joué. En hauteur et dans les bois, c'est très bien joué. C'est du régular en plus. Par contre on dirait qu'il a pas envie d'avancer. Et ça c'est dommage. Extrêmement dommage. De là par contre je peux le toucher. Bim, petite flèche dans les fesses. Je devrais pouvoir invoquer un truc là. Ok Miss, on va poser un truc de soin là dans notre zone. Je pense ici. On va foutre des élémentaires devant nous là. Putain, par contre, elle ne peut rien toucher. Alors du coup, si j'avance d'une case, elle pourra toucher. Donc on va avancer d'une case. Là, c'est pareil, malheureusement, il faut que tu viennes là. On a l'œil inattentif, mais on va invoquer un élémentaire de feu là. Il nous rate, c'est parfait. Tant qu'il invoque qu'une seule créature, ça va. Par contre, il est vraiment très bien placé son élémentaire, on peut pas dire le contraire. Raté. Ah, je le vois pas, t'es sérieux? Peu exposé par contre, du coup on va peut-être aller dans les bois avec avec notre ami ici là. Là on voit rien, là on voit. Est-ce qu'on peut mettre un glacial ground? On peut mettre un glacial ground et on gagne un niveau en plus, parfait, ça fait plaisir. Allez, faut qu'on fasse des dégâts à lui. De toute façon si on le tue ces créatures vont disparaître, hein. Enfin normalement j'imagine. Ouh, le coup critique à 1, bon ça va, on va pas se plaindre. Tiens, il disparaît pas lui. Il devrait disparaître. Bon, il a peut-être un peu plus de durée pour le combat. Yes. Un petit peu de DPS, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti là, c'est le moment Malvin. Bim! Dans ta fronche. On va le déposer là, notre élémentaire cette fois. Qui sont un peu plus tanky. Ah, il invoque quoi? Un élémentaire de feu, régular. Et on gagne tranquillement de la vie, hein, donc pas de stress. Par contre, il dure vachement longtemps les siens. Yes, ça c'est bon ça. Alors lui attention, ok ça va. Allez c'est le moment à quelle sous-couette, GG. Ah ils disparaissent pas. Intéressant. Intéressant, intéressant. Raté. Butent leur papa et ils s'en vont pas quoi. C'est tellement pas gentil de leur part. Bon ouais, Katsuko est un peu exposé là. On va la replier dedans. On va essayer de se replier sur les hauteurs. Ok, un de moins. Je vais laisser la place derrière à Katsukouette. Ouais, parce que elle se fait un petit peu péter les fesses. Faut dire ce qui est. Alors ici on est hors de portée, on va avancer. C'est parti. Voilà, petit truc de glace dans la tronche là.
Ça fait toujours plaisir. J'aimerais bien qu'on consomme pas beaucoup plus de stamina si possible, ce serait cool. Il reste 4 PV. Là on n'a plus de stamina de toute façon, donc on peut plus rien faire. Donc on va skip le tour avec elle. Allez Malvin. Voilà, c'est ça qu'on veut. Et on gagne un book. Ouais. C'est pas ouf. C'est clairement pas ouf. On va filer un petit peu de bouffe, voilà. On peut papoter avec les gens. Du fromage, non. Alors ils ont fait un fixe normalement qui fait qu'il n'y a plus d'objets de loot intéressants après les boss. Ça fait partie des trucs dans la mise à jour aussi. Alors, bah c'est pas mal comme loot, c'est pas mal. On va peut-être pouvoir recruter quelqu'un s'il y a des gens à recruter. Alors, on a un niveau sur Malvin, un niveau sur Damned. Toc, du coup. On va peut-être améliorer celui-là. J'aime bien m'en servir du... Allez, on améliore l'élémentaire de pierre de Damned et Malvin. Ça, ça coûte 2 points d'XP. Si on fait ça, alors là c'est 2 spikes, là c'est 4 spikes. Ouais, je pense qu'on va prendre ça. Parce que c'est vrai que quand on pose un glacial ground et qu'on balance ça, c'est cool d'en avoir 4 qui pop quoi. Alors, on a 800 et il y a personne à recruter, pas de bol. On sait que Akatsukuet ça sert à rien de la faire dormir, donc on va plutôt lui payer un coup. Niveau du niveau, elle va bientôt gagner son niveau, donc pas de stress. On va aussi payer un petit coup à Damned, 2 coups même à Damned. Voilà, comme ça au moins il a 50. Et je pense qu'on va pouvoir se faire une petite quête à 4. Alors ça, le gros point d'exclamation rouge dessus me fait penser que c'est probablement un truc un petit peu costaud. Mais c'est 700, alors que si on prend ce truc là c'est 574, donc je sais pas trop au niveau danger comment ça s'équilibre. On fera peut-être une quête a priori pas trop compliquée, genre trouver l'herbe rare ici en danger 2 pour voir un peu ce que ça dit. Mais on fera ça lors du prochain épisode, j'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit message, me dire ce que vous en avez pensé, on se dit à très vite pour la suite, merci à toutes et à tous.